strong at heart, but we're still dreaming. Eyes wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de Madventure. Si je dis pas de bêtises, presque 20 épisodes, c'est un truc de fou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, vous l'avez vu dans le titre, puisqu'on va s'attaquer au village. Je suis en train de bégayer, c'est marrant parce que ça fait quand même 18 épisodes que j'ai pas bégayé. Il fallait bien qu'un épisode je bégaye en début d'épisode. Bon, c'est bizarre. Alors, épisode spécial, puisqu'on va refaire le village. Bon, vous savez que... faire le village, j'avais dit que je voulais être accompagné. En tout cas, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en off avant toute chose. Jeu de tracteur, j'ai enlevé les murailles tout autour, comme vous pouvez le constater, parce que il n'y en avait plus vraiment besoin. Ah oui, alors la render distance aussi, vous avez vu, elle est un peu plus faible que d'habitude. Bon, elle est suffisante, hein, mais elle est un peu plus faible que d'habitude, mais vous inquiétez pas, jeu de tracteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le nether, regardez ce que j'ai fait pour le nether. J'ai fait carrément un super petit chemin, je vais vous montrer juste après, parce que d'abord, regardez, j'ai agrandi l'intérieur de la maison, et je suis assez content, je suis assez content parce que, en fait, tout simplement, regardez, oh non, c'est pas vrai, j'en avais ma claque, en fait, des coffres, j'arrivais pas à trier, enfin, j'arrive toujours pas à trier, remarque, mais ici, il y avait tous les trucs du nether, c'était compliqué et tout, du coup, j'ai décalé, et j'ai fait un espace plus grand ici, où en gros, ça va être vraiment tout le stockage de naze, quoi, donc en gros, ça, c'est vraiment les stockages de naze. C'est-à-dire, ça sert à rien, c'est juste si ça sert, il faut prendre quoi. Bref, donc j'ai laissé le bois là-bas, super important, etc. La ferme à cactus, rapidement, avant que je vous montre le nether. La ferme à cactus, elle fonctionne vraiment bien, donc je suis content, voilà, si vous avez suivi mon tuto. Hop, j'en avais 12 tout à l'heure, il y en a 18 maintenant, donc c'est assez formidable. Voilà, j'ai cru qu'il y avait un animal. Et là, j'ai trouvé aussi, alors par hasard, juste en tendant l'oreille, j'ai trouvé un lac de lave. Voilà, c'est toujours bueno, alors ça mène à nulle part normalement, hein. Mais c'est vraiment juste un lac de lave. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et là où je me suis fait plaisir, c'est donc dans le nether. Je vais vous montrer. Alors j'aurais bien aimé qu'on aille dans le nether aussi. Alors je vais quand même prendre... Attendez, rapidement. Je vais quand même prendre deux pièces d'armure en or. Alors pourquoi deux, je sais pas. Parce que j'aime bien quand ça va par paire. Voilà. Et je vais prendre des lingots d'or. Pour faire les échanges, vous allez comprendre. Et je vais vous montrer le chemin que j'ai fait. J'ai fait une passerelle pour le moment. C'est pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Mais voilà, j'ai fait une petite passerelle pour accéder au nether directement. Alors j'ai fait un escalier là aussi, mais je pense que je vais l'enlever, c'est vraiment naze. Et je vais vraiment prendre que ce petit chemin, donc je mettrai des rambardes, comme là j'ai commencé à faire. Je mettrai également des poteaux, voilà, pour des piliers, des supports pour faire tenir tout ça, parce que c'est vrai que pour le moment ça vole. Donc voilà un petit peu pour le nether, qui est donc juste ici. Et alors c'est-à-dire que la blague elle va être longue, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, alors donc, on va aller dans le nether. Et attendez, alors les amis, il se passe un truc de fou. Attendez, il se passe un truc de fou. C'est... Quoi? Ah mais... Ah bah oui d'accord. Bah salut Dragon Alpha. Bah salut, écoute, c'était... Je te jure t'as fait ça. Bah oui du coup. Ah oui, non mais alors la surprise elle est x2 encore, c'est génial. Comment ça va? Voilà. Bah ça va et toi? Mais ça va super bien. De mon point de vue c'était splendide. Oh bah j'imagine. J'aurais aimé enregistrer. Oh là là, mais tu m'étonnes. Et ben voilà les amis, la surprise, Dragon Alpha est bel et bien là, enfin. Dis-moi, ça fait trop plaisir. Cette fois ce n'est pas une blague. Oui cette fois. Vous avez bien aimé la dernière. Faut que tu t'excuses quand même, hein. Je m'excuse. Ouais, elle s'excuse très peu sincèrement. Attends, on va juste faire un petit passage dans le nether parce que j'aimerais montrer ce que j'ai fait. C'est pour ça que... Ça serait vraiment pire, hein, franchement. Bah c'est vrai, toi t'es... Hein? Ah bah oui! Ah bah oui, t'as l'achievement, oui, c'est normal. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal, c'est normal. Alors j'ai fait un escalier ici, les amis, qui va relier de manière absolument sécurisée, normalement, hein, je le dis bien normalement. Théoriquement, on fait quand même juste attention à pas tomber. Et voilà, et normalement il n'y a plus les méchants parce que j'ai mis plein de champignons bleus. Et donc là voilà la machine à trade. Bien sympa, hop je lui mets de l'or et hop il fait des échanges. Non. Oh putain. On se fait attaquer. Ah non. Oh je me suis chié dessus. Bah oui j'étais en mode vraiment qu'il est m'allumé aussi là. Mais non mais si. Mais si il m'allume. Mais il m'allume. Mais pourquoi? Je sais pas, Dragon Alpha. Il faut que je te laisse. Mais tu me fais comment? Je suis à Walpé, putain. Mais pourquoi il m'attaque? Bon, moi, je reviens dans le monde normal, hein. Ça marche. Mais c'est quoi cette histoire? Y a rien qui va. Bon, je t'attends. Mais alors là, j'ai pas compris. T'as tapé un piglin? Mais non, j'ai rien fait du tout. Bah... Sinon, il m'aurait attaqué.
Bah ouais. T'as pas pris un truc en or dans un coffre? Bah... Le coffre. Bah le coffre, j'avais le droit de l'ouvrir, c'est mon coffre à moi. Je comprends pas. Non, je peux t'assurer que t'as pas le droit, je viens de l'ouvrir, ils veulent m'attaquer. Non. Si. Mais attends, mais c'est ça trop mal fait. Bon bah en fait la ferme à piglin elle est pas si terrible que ça, c'est ultra dangereux. Va peut-être falloir que tu le montes le piglin. Ah ouais. Attends, j'arrive, je vais t'aider. Alors ça c'est quand même vachement marrant. J'ai juste... Bah après là ça va, c'est un avec une arbalète donc je peux m'éloigner. Vas-y, attends, j'arrive. Le problème c'est que je peux pas le taper. Oh mon dieu. J'arrive. Bah oui, je t'ai rien donné. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Je suis ressorti du Nether, à deux doigts de me prendre une flèche entre les deux yeux. De quoi? T'es de nouveau dans le monde normal? Pourquoi t'es... Merde. Non mais tu rigoles. Bah attends, mais c'est trop marrant. Attends, bouge pas. Mais non, non. Mais non, mais reviens. Non, c'est bon. Hein? Mais je viens de revenir dans le désert, putain. Non, reviens dans le monde normal. D'accord, ok. Oh non, c'est trop. Non, putain, ça... Oh, le début chaotique. J'adore. Mais ça faisait longtemps, ça m'avait manqué, voilà, ce dialogue de sourds, le duo de sourds. C'est vraiment le duo de Guignolo là. Les Guignolo. Bon, alors du coup les amis, pour vous expliquer, ça y est, OMG Serve propose donc la version 23W07A, donc la dernière snapshot en date. Donc il n'y a pas la 06, par contre il y a la 05, bref. Donc il y a la 07, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc du coup ça fonctionne et on peut inviter Dragon Alpha. Mais c'est pas dit que la prochaine mise à jour soit compatible avec OMG Serve. Encore une fois les amis. Très joli ça. Encore une fois les amis, je ne suis pas partenaire OMG Serve, mais le code promo MKOLO fonctionne toujours. Donc vraiment les gars, si jamais ça vous intéresse d'avoir un serveur qualitatif, eh ben je vous le dis, n'hésitez pas à passer chez eux. Je mettrai un lien en description, mais c'est pas un lien affilié. Et puis n'hésitez pas à prendre le code promo MKOLO, -5%. En vrai ça fait plaisir et eux ils le verront. Et donc ça fait toujours un petit clin d'œil. Voilà, est-ce que tu t'amuses Dragon Alpha? Oui. C'est cool. Voilà un petit peu ma maison, tu la découvres peut-être. Ah oui. Bah voilà. J'y étais rentré très rapidement, mais c'est tout. C'est vrai, avec Alternos, le serveur Alternos, t'as pu voir deux chunks. Incroyable. Ah, oh mon dieu. Alors voilà, du coup, ben, je vais te proposer, comme sur Madventure à l'époque, eh bien de prendre tout ce que tu veux. Alors, le seul problème, je voulais te faire un beau coffre. Le seul problème, c'est que tu vas voir, j'ai pas de diamant, j'ai pas de fer. En fait, j'ai plus rien. Donc. Ah oui, d'accord, effectivement. faut éliminer. Voilà, bah oui c'est ça, mais le problème c'est que... Alors voilà, pour cet épisode, vous l'aurez compris, on va pas faire du minage, justement, on va faire la refonte un petit peu du village. C'était une idée que vous nous aviez proposée, et je voulais qu'on le fasse avec Dragon Alpha, parce que ça peut être une plutôt bonne idée. Alors je sais pas comment on va faire, parce qu'on n'a pas non plus 36 millions de blocs, j'ai pas 36 millions d'idées, peut-être que Dragon Alpha en construction est meilleur. On viendra. T'as dit quoi? On se démerdera. Ah, je préfère, ça me fait moins peur. Justement, c'est... Voilà... C'est cool. Un moment, c'est d'avoir des trucs qui sont ultra qualitatifs, ça va 5 minutes, hein. C'est vrai. Faut bien qu'on apporte notre petite touche de merde. Ah bah d'accord. Bah moi je pense que j'offre déjà ça suffisamment aux gens, mais mais on va essayer. Tu peux bien avoir une petite arme. Tu veux une petite arme? Alors, regarde, ouais, dans ce coffre il y a plein de trucs et sinon je peux te fabriquer une épée en pierre. Allez hop, c'est parti pour chercher du fer. Ah non mais là c'est craignos, je suis désolé, voilà comment j'invite les acolytes, ça fait plaisir. Ah, c'est original hein. Bienvenue. C'est vraiment le fait que tu sois nézérite mais que t'aies rien en féroce quoi. Mais j'ai du fer. Mais non, mais j'ai... T'en as trouvé? Oui. Oh bah d'accord, bah c'est nickel. J'en ai trouvé deux, alors ça suffira, c'est bien. Bravo. Mais oui, mais je sais plus pourquoi j'ai claqué tout le fer, c'était probablement pour faire les lanternes encore. Oh, putain. Ah non! Je sais! C'était dans le village, tu vas voir dans le village, j'ai fait une ferme automatique. Alors non pas à faire du coup, mais j'ai utilisé plein de hoppers. Ah, bah oui. Ça t'est pas venu de faire à l'esprit du coup, de faire une ferme à fer avant de faire des fermes automatiques? Mais... mais c'est trop compliqué. Bon, c'est zéro compliqué, même moi je sais les faire. Ah ouais? Oui. Ouais, mais il faut des trucs que j'ai pas, par exemple du fer. Bah tant mieux. Bah voilà, donc là c'est pareil. Par contre... Et on revient encore au cœur du problème. Ouais, je suis bien d'accord. J'entends un squelette dans la base, là c'est un truc trop bizarre. Je suis sûr qu'il est pas en rouge. Oh, je vous ai pas montré les amis. C'est très moche pour le moment, donc je pense que je vais abandonner mon idée.
Voilà. Et alors là aussi, regarde, j'ai fait une machine pour reproduire les villageois. D'accord, ah oui. Je fais toutes les machines sauf les machines à faire. Quoi? Putain. Quoi? Quoi? Non. Let's go. Pourquoi? Pourquoi? Non. Tu sais quoi, je pensais que c'était parce qu'on était passé sur serveur, mais c'est pas vrai parce que l'autre villageois il est encore là-bas. Non. Mais non. Bien vite quand même le village, hein. Mais non. Y'a même pas de bébé, y'a rien. Attends, est-ce qu'il y a mon villageois mending au moins? Oui, il est là, y'a bien mon village. Ils se sont fait tuer par des gens. C'est trop bizarre. Ça veut dire que là. Là, t'as que deux villageois et c'est les deux qui sont emprisonnés, quoi. Ouais, c'est ça. Je te donne ma pioche cheatée, mais fais attention à pas la casser, hein. T'as une breaking dessus. Je sais plus. Non, mais t'as pas une breaking. Mais y'a mending en tout cas. Oui. Ah oui, ça va être beaucoup plus rapide. Nice. Attention, hein, je te fais confiance, hein, je donne pas ma pioche à n'importe qui. Hein. Oh là là, mais quel honneur, mais quel honneur. Ah bah oui. Sois-en digne. Hein. Ah oui, mais t'inquiète, je vais faire tout pour en être digne. C'est vrai qu'un un petit enchant là, une Breaking 3, ça fera pas de mal. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah après, comment on pourrait faire de l'XP là? Bah les fours quoi. Ouais, les fours. Bah, t'as pas une farm XP? Alors, si jamais, bah, quand je rentre à la base, je te répare la pioche parce que j'ai une ferme à XP custom. En fait, je fais reproduire toutes les poules et je les tue et ça fait un truc de malade. Ah oui, en vrai, ouais. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Je parle comme un enfant. Oh non, c'est pas vrai, non, je suis pas encore allé dans l'end. Et sincèrement, je ne ferai pas de machine à XP dans l'end, je ne sais pas faire ça. Oh, c'est facile, si tu veux, je la ferai. Eh bah, tu me la feras avec grand plaisir. C'était toi qui l'avais fait sur Madventure, saison. Oui. Saison 2, c'était toi? Ouais, c'était moi. Ah ouais, et t'avais pas fait ça avec. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, tu l'as fait tout seul? Eh ouais. Ok. Voilà. M'en souviens même plus. C'est pas compliqué, hein. D'accord, bah, ouais, ou avec, la mythe là. Ouais, avec l'Endermite. Voilà, l'Endermite. Bernard l'Ermite. Mais oh, je la ferai, mais il faudra juste beaucoup de feuilles. Ouais, ça marche. Bah, on aura le temps entre temps. Je te ferai la liste des courses. Je prends beaucoup de plaisir à couper du bois et à être en speak avec Dragon. Non, mais c'est vrai, avec Dragon Alpha. Ça me rappelle Tah l'époque. Ça fait très longtemps, putain. Et ouais. Le bon vieux Minecraft à l'ancienne. Salut tout le monde. Eh bien, salut tout le monde. C'était quand qu'on avait fait notre première vidéo? Quelle année? Bah, en 2014, en fait. Hein. Ah, ça va. La première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était sur The Dropper. Hein. Oh, c'est vrai. Eh ouais, à 3, le trio de choc. Moi, je me souviendrai toujours de ton verre cassé. Grave. D'ailleurs, tu sais que c'est vraiment une légende parce que le verre, il a pas cassé. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Non, tu l'avais juste renversé, non? Tout à fait. Je sais pas comment il a fait pour pas se casser, par contre, en vrai, mais... Ah ouais, non, parce que là, c'était miraculeux. Ah, tout à fait. Attends, je vais essayer de te trier les coffres. Je vais prendre de la cobble. Ouais. Ça marche. Alors, attends. Regardez, les amis, comment je range les coffres pour que Dragon Alpha s'en sorte. Est-ce que c'est pas, finalement, un homme à marier qui ferait ça? Je ne sais pas, mais je le demande. Oh là là, dis donc. T'as vu ça? Eh ouais. Ah, tu vois, comme ça, je vais aussi mettre le bois là-dedans. Ça du coup ça je garde. Ça, après je les chemins de terre c'est pas mal. Est-ce qu'avec la cobble ça rend bien? Je sais pas. Bah on va voir. Ouais, tu as bien raison. Oh les vieux lampadaires par contre, ça c'est. J'avais jamais fait attention. Non, là on va en faire. Très souvent quand je build, je suis un peu un tuto à côté donc. Ah voilà. Ah ouais, mais je la suis, hein. Bah, on est carrément ensemble. Voilà. Et après, voilà, pas tout le monde n'a l'imagination, quoi. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut pratiquer, mais... Ah oui, il faut pratiquer, hein. Alors, pratiquer quoi, je ne sais pas, mais il faut pratiquer. Construire et tout, enfin, carte modèle. Voilà, tout à fait. Je suis vraiment le tonton du Nouvel An qui fait des blagues lourdes à chaque fois dans le fond. Oh, t'inquiète. Et ouais, peut-être de temps en temps de la cheese dead brick. Ouais, bah après, ça, je... Bah tiens, attends. Tiens. Cimer. Si tu veux la semer. Cimer, bah je vais parsemer du coup.
Hop. Super. Ah oui, si, ça va rendre bien sympa. Oui, bah, tu sais quoi, on la casse. Elle est dégueulasse, hein. Ouais. Et allez, cassons-la. Est-ce qu'on lui déglinguerait pas sa race, en fait? Allez, on va la déglinguer, là. On va la déglinguer bien fort, là. Je veux l'entendre... Vas-y, je chanter, là. Le côté corse qui ressort. Appelle les pompiers, je suis chaud. Trop bien. Ah, c'est dommage, la pierre, elle va pas brûler. Les maisons, ça sera pour un autre épisode. Ouais, je pense. Ah, c'est pas mal. Alors, du coup... Et on fait comme ça, c'est ça? Ah, merde. Là, on va voir un souci d'autre. Ah, t'arrives pas à faire ce que tu veux. Mais c'est surtout qu'en fait, ça fait de l'autre côté. Alors, attends. Je vais changer de bloc temporairement. Du coup, je change la hauteur des allées, là, parce que... Enfin, des débuts d'allées. Ouais, Ouais, comme ça, c'est bien. Parce que du coup, je vais faire... Voilà, de... Ah, ouais. Puis comme ça, on laisse ici, à cette hauteur-là. Ouais. Ouais, putain, c'est bien, ça. C'est nice. J'aime ce qui se passe, Dragon Alpha, voilà. Oh, t'as déjà vu du verre qui vole? Regarde, on dirait des cailloux. Ah oui, ouais, c'est... C'est magique. Magic System. Pardon. Qu'est-ce qui ref, là? Je suis né en mai 98. What? Je vais avoir 25 piges, genre. Ah, t'es né pendant la Révolution. Oh, 1798, voyons. Putain, ça peut faire des panneaux qui pendent aussi. Non, mais... Alors, bonsoir. Ah, oui, merde. Ah, purée, alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Ouais, mais c'est surtout que c'est si jamais tu veux faire des baraques, genre, tu sais, même ou un bar, un truc comme ça, tu sais, c'est... Oh, c'est grave. Et, hein? C'était ça, en fait, un objectif d'un abonné. Alors, j'ai plus le doc à côté de moi, je m'en excuse, les amis, mais j'ai pas oublié les objectifs que vous m'avez donnés au premier épisode. Donc, de faire, tu vois, une sorte une mairie, enfin, tout ce genre de trucs, boulangerie, etc. Et donc là, le bar, c'est plutôt pas mal. Ça peut être une bonne idée, voilà, on verra par la suite, mais c'est vrai que niveau construction, je sais pas. Bon, au final, dans cet épisode avec Dragon Alpha, c'est plutôt les chemins qu'on fait, mais mine de rien, et plus les lampadaires, ça met l'ambiance, ça met le thème, c'est le plus important. Oui, c'est clair. Parce que moi, vraiment, après, de toute façon, Dragon Alpha reviendra, les amis, mais je veux dire, on va pas faire à Dragon Alpha que du build, hein, quand même. Mais je veux dire, là, les prochains épisodes, je pense, je vais un petit peu faire de la construction et je vais m'inspirer des meilleurs. Et ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Oh, alors on a un début de construction, attention, regardez Dragon Alpha. Elle cheat, elle vole. Je vole, alors est-ce que je le fais Non, faut que je le fasse 4 de hauteur, oh, fais chier. Ah ouais. Oh, oh. Et au milieu on peut mettre des panneaux suspendus. Oh. Incroyable. Oh. Eh, vraiment, ça rend trop bien de là-haut, hein. Attends, ouais, faudra que je vienne. Ouais, alors je peux pas zoomer avec... j'ai pas de longue vue, mais... Oh. Ah oui, ça change complètement le flow, hein. Et tu vois, même sans avoir changé les bâtiments... C'est ce qu'ils font en arrière? Ouais, non. Attends. J'ai paniqué, tu m'as entendu? Oui, ouais... Hop. Ça, par contre, là, pour le montage... Ah non, mais je suis dans la merde, hein. Ah! Parce que 2 heures de contenu. Let's Regarde, go. C'est encore mieux. Il faut que je recommence là-bas. Là, il y a la chaîne qui s'est ajoutée. Ah, tu préfères quoi d'ailleurs? Ah non, mais t'es parti. Attends, non, t'inquiète, j'arrive. Voilà, est-ce que tu préfères avec la chaîne qui est suspendue ou avec la barre? Les deux sont bien en vrai, hein. Avec la barre. Je trouve avec la barre, c'est mieux. D'accord, très bien. Ouais. Original. Tu sais. Tu préfères avec la. Tu non, non, du tout. Chaîne. Non, non. Vraiment, Alors, c'est vrai que ouais, avec la barre, je sais pas, ça rajoute... Oui. Bah, ça rajoute comme une espèce de mini liaison entre les deux. Tout à fait. Et puis en plus, c'est plus... il faut le mériter pour le faire parce que... Attends. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'est que c'est pas automatique comme les antibiotiques. Hop. Oh, bravo, Monster Hunter. Monster Hunter. Ah oui, d'accord. Oh mon dieu. Oui. Je vais dire mon addiction, comme d'hab, j'ai envie de dire. Ça fait déjà depuis des années que je suis addict à ce jeu de mort. Ah ouais? Oui.
Merci à toi, ça fait plaisir. Est-ce que t'es encore active un peu sur les réseaux ou pas du coup? Twitter, oui. Twitter. Là, YouTube un peu moins parce qu'avec le boulot, ouais. J'ai pas du tout le temps. Ça m'a fait plaisir, Dragon Alpha. Si tu as un mot à passer à la communauté qui t'a attendu de pied ferme. Bah écoute, merci beaucoup du soutien, même si je suis très peu active. Très peu active, mais ça très fait joignable. Plaisir. Grave. Oui, voilà, exactement. Non, c'est vraiment. Cool. C'est toujours plaisir. Merci d'être toujours là pour moi, même si. Oh, c'est trop ça mignon. Ça fait longtemps que je fais pas. Ouais, t'as vu. C'est trop mimes, non, mais c'est vrai, ouais. Mais ça fait que je vous aime. Merci beaucoup de me soutenir encore. Oh là là, ça y est, je pleure. Ça fait que voilà, de toute façon, je serai toujours disponible. Hein. Ça, c'est fort. Et vous vous rendez compte que Dragon Alpha, c'est entre guillemets la moins active, et pourtant, c'est celle avec qui je peux tourner le plus facilement. Vraiment. Exactement. C'est aberrant. Allez, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo et Dragon Alpha. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À l'ancienne.